Et tout le monde est parti. Divine Durandon est un petit peu à l'arrière. On a le temps, on a le temps. On ne s'affole pas, le public est déchaîné. Il y a beaucoup d'enjeux en ce jour de Prix de Diane, bien sûr. Et on sait que, comme d'habitude dans ces courses, les paris clandestins sont allés bon train. C'est qui en tête là? On a Juliette qui, en tant que cavalière chevronnée, mène le bal devant son élève Apolline, tandis qu'on a Laura qui, forte de sa victoire pardon, de ce matin. On voit que notre Juliette est déchaînée apparemment. Elle n'a pas respecté les consignes. On suppose une un peu trop bonne entente avec Damien. Toujours est-il qu'elle est largement en tête. Et Laura arrivera-t-elle à remonter? Laura pour les écuries Florian Comte. Tandis que escapologiste de la randonnée de Paul Lyonnais se traîne à l'arrière. Très surprenant. On assiste à une contre-performance du favori escapologiste. Et c'est devant, ces dames ne s'en laissent pas compter. C'est Juliette qui pénètre dans la ligne d'arrivée du jamais vu. Juliette va-t-elle gagner? Mais c'est Laura qui revient. Splendide remontée de Laura. Juliette qui n'en peut mais. Ces deux cavalières sont vraiment survoltées. Laura a raccourci de quelques trous. Attention à ne pas glisser. Et ensuite, Neuville, attention le tournant, Neuville les dames. Neuville les dames avec un cheval. À